just exactly how I feel. I'm running so fast, so I'm running alone, alone. I thought that I told you that this shit is real. Les amis, c'est Jimmy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test de la Ténéré 700 Rally. Alors ce sera un modèle 2020 et non pas un modèle 2023. Et oui, celle-ci, c'est une version A2. Machine qui m'a très gentiment été prêtée par le loueur Oui Moto. Donc c'est un groupe spécialisé dans la location de motos qui va se situer sur la Seine-sur-Mer. Cette Ténéré, vous allez pouvoir la louer là-bas. Alors j'ai été très bien accueilli. Ils sont super sympas, très professionnels. Donc si vous cherchez une Ténéré 700 en location, c'est par là-bas que ça se passe. Ok. Bon, dans cette vidéo, je vais essayer et décortiquer de fond en comble cette Ténéré 700. Comme d'habitude, hein, on va se tester les amortisseurs, freinage, accélération, la totale. Je vais vous dire ce que j'en pense. On va parler des points forts et des points faibles. Je vais la tester sur route et à la fin de la vidéo, je vais vous donner mon ressenti, vous dire qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce que j'ai ressenti sur la route, en sachant que sur la terre, sa réputation, bien sûr, ne sera plus à faire. Bon, sur ce, on arrête de bavarder, les amis. Bon visionnage. Alors, on est parti pour le test de ce Ténéré 700. Modèle 2020, version rallye, on va voir ce que ça donne. Alors mes premières sensations au guidon de cette machine, sont très bonnes. Hein. Voilà, vous serez sur un trail, vous savez que moi ça, ça me plaît. J'aime cette position de conduite. Bon, guidon large, voilà. Donc position très confortable. La selle est haute perchée, mais honnêtement, elle est... Au niveau de l'entrejambe, c'est assez resserré, donc plus ou moins ça va, c'est confortable. Le réservoir n'est pas hyper large, donc ça c'est bien. Pas très difficile à resserrer avec ses cuisses, voilà. Les rétroviseurs, honnêtement, super bien placés. Là, de vue comme ça, j'aurais tendance à dire que ce sont les mêmes que sur ma MT-07. Bon, au niveau de la prise en main, voilà, comme vous avez pu voir, hein. Faut être grand pour pouvoir acheter ça. Voilà, moi c'est limite, vraiment limite, je suis sur la pointe des pieds. Bon, certains ça les dérangera pas d'être sur la pointe des pieds, mais moi je trouve ça contraignant. Bon, il y a un peu de circulation, je vais profiter de ça pour vous tester la souplesse du moteur. Voilà, je me mets à 30 km/h, je suis en 2. Bon, en 2 ça va relancer sans aucun problème. 3. Ok, 3 ça relance. 4. 4 ça relance, mais on commence à entendre le moteur galérer un tout petit peu. 5. Ok, ouais, 5, tu es pas loin de caler. Donc tu auras de la reprise environ, je dirais jusqu'à 3 c'est facilement. 4 c'est possible. Et 5 c'est le début de la galère. Bon, le moteur on le présente plus, c'est le CP2 qui sera présent sur la MT-07. Moi perso, en plus ma MT-07 bridée à 2, elle marche super fort. Du coup je vais vous donner mon ressenti au niveau de celle-ci par rapport au bridage. Merci mon ami. Et on va voir si ça vaut le coup ou pas en A2 de s'acheter ça. Ok, donc ce Ténéré 700 Rally A2 modèle 2020, il a quoi dans le ventre? Donc pour le moteur, vous allez avoir le CP2, donc un bicylindre à 4 temps refroidissement liquide calé à 270 degrés. La cylindrée sera de 689 cm3. Vous aurez une puissance de 73,4 chevaux en version débridée et 47,5 en version A2. Le couple sera de 68 Nm pour la version débridée et environ 60 Nm pour la version A2. Pour la transmission, vous aurez un embrayage multidisque à bain d'huile, boîte 6 rapports et la transmission finale se fera par chaîne. Vous aurez au niveau de l'autonomie un réservoir de 16 litres pour une consommation annoncée de 4,30 litres au 100 selon le constructeur, je dirais plutôt 5,5 litres au 100. Ceci vous donnera la capacité de faire approximativement 320 km avec un plein. Au niveau des performances, vitesse max 200 km/h et un 0 à 100 lui qui s'effectuera en 5,2 secondes. Ok, là il y a une petite ligne droite là, pas trop longue, voilà je vais me la prendre. Je fais un petit départ arrêté, gentil, hein, je la pousse pas dans ses retranchements. Voilà, c'est juste pour avoir un ressenti de l'accélération. En plus ça monte un petit peu donc c'est nickel. Allez, sur l'écran je vous affiche le couple, le 0 à 100 et la Vmax, 1, 2 et 3. Ok. Ok. Ouais, l'accélération est pas mal, hein. Alors je trouve ma MT-07 marche mieux. Bon, en même temps tu me diras c'est le même moteur un peu léger, voilà. Donc la MT-07 marche mieux, mais ça va, ça marche quand même, hein. Le bridage il sera pas trop intrusif, hein. Je pense qu'il se situe haut dans les tours. Donc voilà. Donc est-ce que ça vaut le coup de se prendre ça en A2? Honnêtement, si c'est ton kiff, oui, hein. Et position debout, ça donne ça, voilà. C'est pas mal, hein, même debout, hein. Hop là. Au niveau du poids, sinon, ça va, hein. 202 kg, à peu près 200 kg, il me semble. C'est plus que correct. Alors, c'est pas léger, hein, ok. Mais pour un trail, c'est pas super lourd, voilà. Je tiens à rappeler que il y a des trails qui vont aller jusqu'à 270 kg, donc 200 kg c'est selon moi très correct. Si demain je dois acheter un trail, moi, ben ce sera un trail qui se situera dans les 200 kg. Machine qui fait des wheelings, toi-même tu sais. Alors premier dodan, je le prends moyen, on va voir. Hop, hop là, ok. Bon, au niveau des amortisseurs, ça fait vraiment bien le taf, hein. C'est un trail en même temps tu me diras. Donc il manquerait plus que ça, un trail qui a de mauvais amortisseurs. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette machine? Alors vous n'aurez pas de mode de conduite. Sur celle-ci, pas de contrôle de traction. Ah, c'est super facile à conduire, hein, la vérité. Malgré que ça soit haut perché, bah, une fois que tu as démarré, c'est plus ou moins à la portée de tout le monde, hein, j'ai envie de te dire, hein. Ah, la vérité, c'est un bon petit trail, ça. Je comprends pourquoi il a la cote, ce trail. Ah, c'est la bombe, hein. C'est super facile. Ah, off-road, en fait, ça doit être une régalade, hein. Tu as de bons crampons, il a de bons amortisseurs et en avant guingamp, c'est parti, hein. Ok, bon, là, il y a une petite route à deux sens. On va se tester l'angle de braquage. Pour pas tricher, je vais le faire dans l'autre sens. Hop, voilà. Ok, vous avez vu là, il y a la ligne là. Alors je vais me mettre au niveau de la ligne, je laisse la voiture de derrière passer. Ok, donc je me mets vraiment, voilà, à l'extrémité, ça donne ça. Regardez, au niveau de l'angle de braquage, ça donne ça, donc ça va, ça a l'air correct, hein. Allez, je braque tout, et on y va tout doucement, je vérifie juste qu'il n'y a personne derrière. Hop, il y a une voiture en face. Ok, je vérifie qu'il n'y a personne derrière, je braque tout, et on y va tout doucement. Ok. Ok, non, l'angle de braquage est bon, hein. Allez, je vais essayer de valider ça en roulant. Là, c'est une petite route à deux sens en plus, hein, donc... Ok. Ok, bon, ça va. Très bon angle de braquage. J'ai vu un petit dodan là-bas, je vais le prendre un peu plus fort. Et on va voir ce que ça donne. Ok. Celui-là, je le prends un peu plus fort que tout à l'heure. Ok, hop là, hop là. Ok, bon, les amortisseurs, ils seront très bons, il n'y a pas de problème. Ok, donc pour le cadre, vous aurez un cadre en poutre en tube d'acier à double berceau. Pour la suspension avant, vous allez avoir une fourche télescopique inversée qui sera réglable avec 210 mm de débattement. Pour la suspension arrière, vous allez avoir un bras oscillant, une suspension à biellette qui sera réglable aussi avec 200 mm de débattement. Donc 210 mm de débattement à l'avant et 200 à l'arrière, c'est plutôt pas mal. Pour la hauteur de selle, 895 mm. Donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo, cette machine est clairement trop haute pour moi. Du haut de mes 1m72, je suis sur la pointe des pieds, donc très difficile à prendre en main. Donc ça, c'est à savoir. Je préconise 1m80 voire 1m85 pour pouvoir être entre guillemets plus à l'aise sur cette machine. Alors vous aurez une garde au sol de 240 mm, un empattement de 1590 mm et pour le poids 202 kg tout plein fait. Pas de poignée à l'arrière pour vous faciliter la manœuvre à l'arrêt ni la prise d'un éventuel passager, mais la machine n'est pas très lourde pour un trail, je trouve. Voilà, dans cette gamme là par exemple, je vous donne l'exemple de la Suzuki V-Strom, celle-ci est annoncée à 230 kg, donc 202 kg je trouve cela assez raisonnable. Ok, bon, primo, déjà là au bout d'une demi-heure de conduite, ce que je vais mettre dans les moins, c'est le fait que l'embrayage ne soit pas réglable. Je trouve qu'il est loin un peu et comment dire, je commence à ressentir au niveau de ma main. Voilà, ça commence un peu à me fatiguer la main. Donc ça aurait été bien qu'il soit réglable. C'est une machine qui va être accessoirisable, ça c'est bien. Des crash bars, des feux additionnels, top 15, valise latérale. Voilà, il y en a pour tout le monde. Donc ça c'est bien. Dans les moyens, ce que je mettrais d'office, d'emblée, hein, comme sur ma MT-07, comme sur la Tracer 7, voilà, c'est que ça soit vraiment minimaliste. Hein. Voilà, c'est vous et la machine. Vous avez juste de l'ABS dessus, vous avez rien d'autre. Donc pas de contrôle de traction, pas de mode pluie. Voilà, c'est vraiment le basique quoi, tu vois. Alors je tiens à souligner un truc. J'ai des petits retours d'informations, hein, lorsque je prends un peu de l'angle. C'est sûrement dû à la monte des pneus. Voilà, ça va être des pneus entre guillemets typé tout terrain, un peu des pneus à crampons. Quand je la mets un peu sur l'angle, j'ai l'impression, je sais pas, j'ai l'impression que la machine elle veut pas trop. Voilà, tu vois, voir. Ouais, ça prend de l'angle, mais ça fait un peu flipper, hein. J'ai des retours d'informations qui me mettent pas trop en confiance, je sais pas. J'ai un peu l'impression que si je vais plus loin, elle va glisser, tu vois. Je serais plus serein avec des pneus route, tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, sinon ce moteur CP2 on le présente plus, c'est de la bombe. Voilà, moi sur mon MT-07 je me régale, ça marche bien, tu as beaucoup de couples, plus ou moins à tous les étages, à tous les niveaux. Alors au niveau du bridage, je sais pas, hein, je le ressens pas trop moi. Le bridage, il est bien fait, hein. Non, sérieux, je le ressens pas trop. Oh, c'est beau là, hein. Oh, baba. Mais moi cette vue là. Oh purée, magnifique, magnifique. Oh, c'est magnifique ici, incroyable. Bon, je fais un petit tour du propriétaire de cette Ténéré 700 Rally. Alors, c'est un modèle 2020. On aime ou on n'aime pas. Moi, honnêtement, j'aime bien. Je trouve qu'elle est très jolie, super imposante. Voilà, c'est un cheval, la vérité. Voilà, comme vous avez pu voir sur la vidéo, comme vous savez, moi je fais 1m72 et j'ai pas du tout les pieds à plat dessus. Voilà, je suis sur la pointe des pieds. Bon, si je décale ma fesse un petit peu, je peux poser un pied à plat et avoir le second pied au niveau du frein. Mais si je veux poser mes pieds des deux côtés, je suis sur la pointe des pieds. Alors, machine qui a été équipée de pare-main Barkbuster. Voilà, on présente plus cette marque, hein. Ils vont faire des pare-mains super solides. 2 disques à l'avant, pour jeter l'hydraulique inversée. Voilà, un sabot moteur. Moteur CP2 de la MT-07, on le présente plus. J'ai une MT-07, donc je vais vous dire au niveau de la patate et de la puissance, si c'est similaire ou pas, en sachant que celle-ci va être un petit peu plus lourd, bien évidemment, qu'un roadster. Ok, ligne d'origine, ça vient avec le pack rallye. Voilà, ligne Akrapovic, comme vous pouvez voir la siglée Ténéré 700. Je vais vous faire écouter le son de la ligne tout à l'heure. Donc tout ça c'est plutôt pas mal, hein. Vous voyez, là vous avez des petits détails comme ça, là. Vous voyez, ça qui vient se replier quand vous faites du off-road. Et de l'autre côté, au niveau du frein, c'est pareil. Donc c'est bien. Bon, on se fait un petit tour des commandes. Là vous allez avoir le bouton pour les lumières, feu de détresse, signotant et klaxon. Derrière vous allez avoir le pass pour faire des appels de phare, levier d'embrayage non réglable. De l'autre côté, coupe-circuit, le bouton select pour pouvoir faire défiler les informations dans la console. On revient dessus tout à l'heure, le bouton pour démarrer. Et là vous allez avoir un levier de frein avant qui lui sera réglable. Bon, au niveau de l'écran ça donne ça, c'est un 2020 donc vous n'avez pas l'écran en TFT. Sur le 2023 vous allez avoir un écran TFT. Sinon mis à part ça il n'y a pas beaucoup de changements, ouais, c'est plus ou moins la même machine. Donc sur cet écran LCD qui est placé à la verticale vous allez avoir le niveau de carburant restant, la vitesse à laquelle vous roulez, l'heure. Là vous avez le compte tour, le rapport engagé, voilà, la température extérieure. Vous avez des informations que vous pouvez faire défiler ici, température du moteur, voilà, les trip 1, trip 2 bien sûr, l'odo, le kilométrage. Comme vous pouvez voir elle a 17 544 km. Machine qui va être équipée aussi d'une prise allume cigare de ce côté, et là vous avez, je vais y arriver, un double USB, pas mal. Tu vois là, si j'appuie, hop, ça enlève l'ABS et hop là tu bascules en off-road, tu vois, ça c'est bon si tu sors. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là comme vous pouvez voir vous allez avoir des protections, voilà, machine équipée aussi d'un crash bar Touratech. Au niveau des optiques, à l'avant, à l'arrière et clignotant, sur celle-ci ce sera du full LED. Sabot moteur, moi ça j'aime bien, et encore plus quand c'est de série, voilà. La selle de prime abord elle a l'air un peu ferme, on va se tester ça en roulant. Vous aurez une bulle ici qui malheureusement ne sera pas réglable, c'est dommage. Une petite barre ici pour pouvoir y ajouter votre support smartphone et éventuellement votre smartphone ou un GPS, c'est bien. Bon, je vous fais écouter le son de la ligne. Ligne d'échappement Akrapovic, montée de série, donc je suppose qu'il y a un catalyseur. Allez, c'est parti. La sonorité pas mal, hein. Ouais, vraiment pas mal. Très bon son, rien à dire. Allez, c'est parti. C'est une très bonne machine ça en fait, hein. Ouais, c'est une très bonne machine, hein. Ça, je pense que sur des petits sentiers, sur la terre, ça doit être quelque chose. Ah, c'est de la bombe, hein. Je vous le dis, hein. Vraiment, c'est de la bombe. Bon, j'ai pas ressenti de vibration, hein. Bon, ce moteur, après, je le connais. Donc, c'est un moteur très joueur, très fiable. Voilà, il va pas trop vibrer, il va pas trop chauffer. C'est vraiment un bon moteur. Voilà, de toute façon sa réputation, elle est plus à faire, hein, tout le monde connaît. Vous voyez par contre l'embrayage, il me fatigue la main. Hein. Ouais, il commence à me fatiguer la main parce qu'il est dur, il est loin. Et voilà quoi. Déjà dans les mois, je vais mettre sa hauteur de selle, c'est abusé. Voilà. Alors c'est bien, hein, les grands, ils vont dire oui, il faut être grand pour faire du trail. Ouais, d'accord. Mais il y a des personnes de petite taille qui ont du fric, et elles peuvent pas en faire du coup. C'est quoi le bail, tu comprends ou pas? Donc il faut que ça soit accessible à tout le monde. Donc moi je vais mettre la hauteur de selle, hein, voilà. Et la plupart des grandes marques ils l'ont compris, hein. Regardez BM avec leur 1300, voilà, ils l'ont rendu accessible. Je suis monté dessus moi, je touche très facilement des deux côtés. Voilà, le Transalp c'est pareil, l'Africa Twin je suis monté, honnêtement c'est pareil, je touche par terre. Bon, c'est un peu plus haut qu'un Transalp, mais je touche par terre plus à l'aise que sur ce Ténéré. Ensuite, le fait que l'embrayage là ne soit pas réglable, je vais mettre ça dans les moyens parce que je trouve que c'est fatigant. Surtout si tu n'as pas de shifter. Voilà, moi la version que j'essaye, là elle n'a pas de shifter. Donc, alors au niveau de la selle, là ça fait quoi? Sans mentir, 50 minutes je suis dessus. J'ai toujours eu comme écho que la selle n'était pas confortable. Perso, moi je trouve que ça va, j'ai pas mal aux fesses, hein. Ma foi, j'ai pas un brin mal aux fesses, donc je vais pas mentir, faire le mec. Voilà, bon, au toucher elle avait l'air un peu ferme. Après ça, c'est un ressenti qui sera différent à chacun, hein. Voilà, hein, certaines personnes vont avoir mal aux fesses. Ok, ce que j'aime après, c'est la maniabilité, hein. Regardez, c'est super facile à amener, hop. On dirait pas que tu as une route 21 à l'avant, voilà. Très facile à emmener. Donc je vais mettre ça dans les plus. Dans les plus, je vais mettre le look, hein. Elle est belle cette machine, hein. Franchement, moi, elle me plaît, hein. avec son petit côté la rallye raid là, franchement c'est magnifique. Regarde là, je vais essayer de la coucher mais gentil, tu vois, hop, tu vois, je suis pas serein quand je la mets sur l'angle, comme j'ai des gros crampons sur les pneus, je suis pas du tout serein, j'ai l'impression, je sais pas, elle me fait un peu peur, tu vois, donc je vais pas prendre le risque de tomber. Mais voilà, au moins vous le savez, quand vous prenez de l'angle, avec les pneus que j'ai, de monter sur la machine, j'ai un retour d'information qui ne me met pas trop à l'aise. Donc je forcerai pas trop. Comme si je perdais un peu l'arrière, tu vois ce que je veux dire? Par rapport à la boîte vitesse, alors je vais m'arrêter, on va tester ça. Alors, première, point mort, première et point mort. Aucun problème, hein, on va trouver le point mort. Ok, pour le frein avant sur cette machine vous allez avoir deux disques de 282 mm avec étrier à deux pistons plus de l'ABS. Pour le freinage arrière vous aurez un simple disque de 245 mm avec étrier à un piston plus de l'ABS aussi. Pour les roues vous aurez des jantes à rayons. Au niveau du diamètre 21 pouces à l'avant et 18 à l'arrière. Et pour la pneumatique vous aurez sur cette machine des Pirelli Scorpion Rally STR. Alors petite mise en garde en ce qui concerne la monte de ces pneus là. Les Pirelli Scorpion Rally STR sont de très bons pneus tout terrain, aucun doute sur cela. Par contre sur route ils m'ont envoyé à plusieurs reprises des signaux et à un moment donné ben, j'ai bien failli en faire les frais. Et les aspérités, waouh, tu vois là j'ai glissé, oh, 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 oh. Tu vois, tu vois les pneus tout terrain, faut pas prendre la confiance avec ça, hein. Bon je trouve, et c'est mon avis, que ces pneus là sur route sont pas tip top. Je préconise plutôt du Dunlop 50-50 si vous avez un usage plus routier que tout terrain. Allez, on reprend. Allez, je vais profiter qu'il n'y a personne derrière, je vais tester le freinage. Alors, 1, 2, 3, frein arrière. 1, 2, 3. Ok. Comme je disais tout à l'heure, il y a du mordant, mais voilà quoi. Selon moi, ça suffira pas hein, à freiner la machine. Maintenant, je vais tester le frein avant. 1, 2, 3. Ok, wesh, à l'avant ça freine super bien, hein. Rien à dire. Ok, maintenant on va se faire un petit freinage combiné. 1, 2, 3. Waouh, tu as vu ça? Ouais, elle a des super freins, hein, ça marche très bien. Hein. Ouais, au niveau freinage, j'ai rien à dire. Hein. J'ai ouvert la bulle. Je vais vous parler un peu de la protection au vent. Voilà, là je suis plus ou moins à vive allure, regardez-moi cette vue, elle est incroyable, c'est magnifique. Oh là là. Bon la bulle, je me prends tout dans la poire. Donc la protection au vent, non. Voilà, je dirais non. En dessous de 30 km/h, 50 km/h, peut-être que ça va fonctionner un peu, mais à partir de 50, ouais, je me prends tout dans la poire, tout dans les yeux. Donc plus que perfectible. Ah, franchement c'est une bonne machine hein, mais c'est fatigant hein. Elle est fatigante hein. Ah ouais, elle est fatigante hein. Ouais, le frein arrière en fait je pense moi en tout terrain il y en a assez, tu vois, tu vas avoir assez de mordant pour pouvoir, je sais pas, la ralentir, taquiner un petit peu sur route. Voilà, ce serait un bon complément de frein. Ah, c'est de la bonne cam hein. Alors est-ce que je valide Ténéré 700? Mais oui, bien sûr. T'es fou quoi, c'est de la bombe. Je valide fort. C'est une super machine. J'avais plein d'a priori avant de venir l'essayer. Déjà de par sa hauteur de selle, ensuite par rapport à sa monte pneumatique. Mais en vrai c'est vraiment de la bonne cam. Par contre celle-ci, voilà, elle va être plus typée rallye, tout terrain, que route, tu vois ce que je veux dire? Voilà, si tu dans ton quotidien tu fais que de la route, prends pas ça. Ça c'est vraiment, j'ai envie de dire, un bon cross homologué. C'est une motocross, un bon trail, un bon cross homologué, on se comprend, tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors si je dois la comparer à la Transalp, laquelle je préfère? Alors par rapport à la route, voilà, par rapport à la route j'aurais tendance à dire la Transalp quand même. Pourquoi? Ben déjà elle a des pneus un peu plus mixtes, je trouve. Tu vas être un peu plus en confiance pour la mener, pour coucher, J'ai pas eu de mauvais retour d'information à son guidon, parce que la monte des pneumatiques, on va dire, est un peu plus adaptée à la route, tu vois. En plus de ça, la Transalp est plus basse, donc moi, pour quelqu'un de mon gabarit, on va dire, ça met un petit peu plus en confiance. Ensuite, par contre, celle-ci, sur le tout-terrain, je pense qu'elle est beaucoup mieux que la Transalp, hein. Pourquoi? Déjà, elle va avoir des suspensions avant qui vont être totalement réglables. Suspensions arrière qui vont être réglables aussi. Attention, attention. La Transalp, je ne dis pas qu'elle va être mauvaise en tout terrain. Pour quelqu'un de mon niveau à moi, par exemple, il y en a assez avec la Transalp. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, j'ai pas du tout un niveau confirmé. Donc, pour mon utilisation à moi, je pense que il y en aura plus qu'assez. Si tu fais des grosses sorties, vraiment, voilà, avec vraiment du tout-terrain engagé, je pense que celle-ci, elle sera légèrement mieux. Du coup, moi, est-ce que je serais capable de me l'acheter, cette machine? Eh, honnêtement, non, hein. Non, alors pas pour le moteur, vous savez que ce moteur, je le kiffe, hein. Mais la Ténéré, je peux pas, voilà, de par mon gabarit, je peux pas. Voilà, moi, être sur la pointe des pieds, ça me plaît pas, voilà. C'est pas trop accessible, donc non, ça fait que je pourrais pas l'acheter. Bon, sur la version que j'essaye, c'est un ancien écran LCD. Sur du 2023, ce sera du TFT. Mais sachez-le, même si vous partez sur un 2020, ça va au niveau bien, hein, on y voit super bien. Et c'est pas parce que vous allez prendre le 2023 que vous allez avoir plus. Voilà, il y a très peu de choses qui changent. Voilà, vous n'avez pas de mode de conduite, vous n'avez pas de contrôle de traction. Voilà, c'est à peu près pareil. Alors à qui je vais le conseiller, moi? Ben moi, je vais le conseiller à quelqu'un qui fait des road trips, qui pratique souvent du tout-terrain, du chemin de terre, et pas beaucoup de route. Quelqu'un qui éventuellement a déjà une moto pour la route et qui cherche quelque chose pour pouvoir faire du tout-terrain. Voilà, je vais le conseiller à lui. Maintenant, par contre, si c'est pour ton usage au quotidien, si c'est pour aller au taf, prendre des chemins de bitume, prendre de l'autoroute régulièrement et tout ça, non. Voilà, là je te le conseille pas. Pourquoi? Parce que déjà, si tu prends de l'autoroute, tu vas t'en prendre plein la gueule au niveau du vent, hein. Et ensuite, par rapport à la monte des pneumatiques, voilà, cette machine, moi, je vais lui privilégier un usage tout terrain. Waouh, t'as vu, je chassais du cul encore. C'est incroyable, hein. Ah, tu sens que les pneus sont pas faits pour la route, hein. Ah ouais. Alors cette Ténéré 700 Rally s'affirmera en profitant d'un coloris spécifique, bleu et jaune, comme sur ma version d'essai. Et sur la 2023, vous aurez du blanc et rouge. Sur la version Rally, vous aurez plusieurs options de série, comme un sabot moteur en aluminium, une protection de radiateur, un carter de chaîne, un silencieux Acra, une selle Rally plus rembourrée et du coup plus haute aussi, des pattes de protection ou encore des poignées tout-terrain. Et ça, c'est très bien. Il a beaucoup de qualité, c'est un vrai trail tout-terrain. Sa réputation en off-road n'est plus à faire, mais il a pas mal de défauts. Déjà, il sera trop haut perché, le rendant pas accessible à tout le monde. Sa selle est confortable, mais au-delà d'une heure, je trouve, on commence à ressentir de la fatigue au niveau du postérieur. Pareil pour l'embrayage non réglable, et la protection au vent est plus que perfectible. J'ai aussi trouvé les Pirelli Scorpion STR vraiment moyens sur route. Alors ok, en tout terrain, ils doivent sûrement faire le taf, mais 90% des gens qui achètent des trails aujourd'hui roulent en grande majorité sur la route. Bon, il sera dispo en plusieurs versions allant de 11 799 € à 14 299 €. Vous aurez la World Red, la Extreme, la Explore ou encore la World Rally la plus chère. J'ai beaucoup apprécié cet essai, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Si oui, abonnez-vous et n'hésitez pas à liker la vidéo, ça suffira pour me faire plaisir. Les amis, c'était Jimmy, soyez prudents sur la route et faites attention à vous. Ciao, ciao.